Bonjour Philippe, on passe à la prochaine nouvelle. Oui. C'est un peu dans la continuité. Propos haineux. Montréal-Nord démet le président de son conseil jeunesse. Ha <laughs> Importez le tiers-monde, devenez le tiers-monde. L'arrondissement de Montréal-Nord vient de démettre de ses fonctions le président de son conseil jeunesse, Zacharia Zaki Rouagui, après que ce dernier eut tenu des propos haineux et des commentaires à caractère assez visant la communauté juive, évidemment, suite aux manifestations. Monsieur Rouagui. A joué un rôle actif le week-end dernier dans les manifestations anti-Israël tenues au centre-ville de Montréal, lors desquelles il a lui-même eu une altercation avec un policier de l'anti-émeute. Il semblait alors diriger un petit groupe de manifestants pro-palestiniens qui a été la cible de gaz irritant envoyé par les policiers près de la rue Sainte-Catherine. Il a lui-même mis en ligne une vidéo où il semble se bousculer avec un policier de l'anti-émeute qu'il traite de clown » et ses collègues de bande de chiens. Le Conseil jeunesse, alors le gars, c'était le président du Conseil jeunesse de Montréal-Nord dont il a été expulsé tard mercredi, il est un organisme consultatif non-partisan qui relève du Conseil d'arrondissement. Il est composé de 15 jeunes de 15 à 29 ans nommés par l'arrondissement parce qu'ils sont le reflet de sa diversité culturelle et sociale. Ah ben, c'est beau, hein? Euh, ils ont pour mandat de représenter leur génération auprès des élus municipaux. M. Rouagui avait été réélu à la présidence de l'organisme par ses pairs il y a environ un mois. Ben voilà! Hein, Montréal-Nord, Montréal remplacé, voilà... Monsieur est sans doute musulman avec son nom, et il prenait pour les Palestiniens. Il dit qu'il y a de la violence contre les, les pauvres personnes racisées à Montréal-Nord. Il a traité les, traité les policiers de chiens. Il s'est fait foutre dehors. Ouais. Tout, voilà. Là, c'est vraiment. On est vraiment dans euh, du classique, quoi. Tiers-monde classique, les racisés qui euh, s'identifient aux Palestiniens. En plus, quand ils sont musulmans, il voilà, y a une solidarité encore plus encore plus grande. Ils font le parallèle. Tu vois, ils, sont à, ils sont à deux doigts de faire le parallèle entre l'armée israélienne et, finalement, les policiers. Et puis, euh, ils ne sont même pas capables d'infiltrer correctement les, les, les associations parce que, ouais, ils n'ont pas le niveau. Donc, euh, ils, ils disent un truc de trop et puis, finalement, ils se font foutre dehors. Donc, tiers de Montréal, émeute, euh, président euh, du conseil jeunesse de Montréal-Nord qui se font foutre dehors parce qu'ils euh, ils ont des propos qui ne tiennent pas la route. D'ailleurs, dans l'article, il, il, euh, il disait notamment ce type, Ouagui, que euh, les policiers ont des, ont des comportements criminels, ou des assertions voilà, qu'on dit sans être capable de les prouver. Voilà. Non, ce qui est criminel à Gênes, à Montréal-Nord, ce n'est pas les flics, Monsieur Waggy, c'est la population. <laughs> Des Et fusillades. Euh... Ah, des fusillades, c'est pas les flics. Ça. Il n'y a pas ça à Québec. Hein? Ah, c'est. Ben non. Et voilà, c'est la population, hein? hum. c'est sûr. Voilà. Enfin bref. ouais hein?